Les Jeux aériens des saisies, donc c'est un rassemblement de montgolfières en montagne. Il y a 25 montgolfières qui viennent un petit peu de toute l'Europe. On a des pilotes belges, espagnols et français, bien entendu. On décolle le matin aux alentours de 8 heures. Ouais, en général, il y a 25 ballons qui décollent. Et l'après-midi, les conditions sont toujours un petit peu plus difficiles en montagne. Donc en gros, on essaye. Typiquement, ce soir, je pensais qu'on pourrait lancer le vol. Là, la direction n'est pas très très bonne, donc je pense que les ballons vont se gonfler pour faire un petit peu d'animation, montrer aux gens ce qu'est une montgolfière, mais qu'elles ne partiront probablement pas en vol libre. Et on a aussi deux autres types d'engins volants. On a un dirigeable qui est derrière moi en train de se gonfler, donc un dirigeable à air chaud. Et on a aussi deux petits ULM classe 5 qui sont en fait des montgolfières avec une petite nacelle dans laquelle on a les pieds à l'air et sur laquelle il y a un petit moteur. Vous tenez le bon bout ? Oui, oui, c'est ça. Bon, c'est un travail d'équipe quand même. Ah, tout à fait. Montgolfière, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est une équipe de combien de personnes en général ? Deux minimum. Ouais. Et puis après, ça dépend du nombre et de la grosseur de la montgolfière. Que les grosses pluies, il faut faire ça. C'est un rassemblement au top. Comment ça fonctionne un dirigeable ? Alors, c'est simple, c'est un moteur thermique, des brûleurs comme une montgolfière, c'est pressurisé et puis on peut se diriger avec un empennage qu'on fait avec des cordes. Donc tout simple. Alors, c'est un moteur Rotax, donc c'est un bicylindre, 65 chevaux et puis il n'y a pas besoin d'énormément de puissance. On peut vite faire 2 heures de vol, donc 8 heures entre 20 et 30 km. Justement, la liberté de mouvement, tu vois, le Mont Blanc, voilà. Les arabes hystériques, c'est juste un endroit magnifique à voler.